بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette 28, 29, 30, je ne sais plus le chiffre exact du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors initialement il n'était pas prévu que je fasse un live, j'avais prévu d'aborder un certain sujet avec vous en vidéo. Le souci c'est que j'ai vraiment eu une journée qui était très speed et qui m'a permis de mener une certaine réflexion quant à la gestion de ses priorités. Et quant à la flexibilité et à la capacité d'adaptation que nous devons entreprendre par rapport à la gestion de toutes ces priorités. Alors, du fait que je devais tout de même respecter mon engagement à l'égard de ce challenge, j'ai préféré m'adapter en faisant un live de quelques instants, qui ne va pas durer longtemps, mais juste parler de ce qu'il en est par rapport à la gestion des priorités, notamment dans notre relation avec le Coran. Alors, je vais vous exposer un peu la journée que j'ai eue sans rentrer forcément dans le détail, mais juste pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on gère ses priorités. J'ai eu une journée qui a été, on va pas dire tumultueuse, mais presque, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à gérer sur le plan personnel, mais également sur le plan familial, et donc forcément le plan personnel et le plan familial passent en priorité. Par rapport à d'autres choses comme la gestion de mon Coran et moi. Tout simplement pourquoi ? Parce que qui dit priorité familiale dit également mise en pratique du Coran. Car automatiquement on a des responsabilités que nous devons respecter à l'égard des personnes qui nous entourent, en commençant par nos parents, en commençant par notre mère, en commençant par notre mère, en commençant par notre mère et ensuite par notre père. En continuant également à l'égard de nos époux, de nos épouses et de nos enfants. Et donc cette journée a été quelque peu tumultueuse, donc je me suis dit, je vais me concentrer d'abord sur ce que je dois accomplir sur le plan personnel, à savoir en priorité, comme on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, l'accomplissement des prières à l'heure. Et dans un second temps, le respect donc de notre engagement à l'égard du Coran et à l'égard des objectifs que nous on s'est fixés dans le Coran. Alors pour tout vous dire, cette journée a été un peu speed pour moi au point où j'avais complètement zappé il y a quelques instants que je n'avais pas terminé et accompli tout simplement mon programme quotidien, donc mon programme aujourd'hui au niveau du Coran. Alors que j'avais prévu justement d'enregistrer la vidéo pour la thématique que je voulais aborder avec vous dans les cadres du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors tout simplement j'ai fait un choix. Et ce choix ça a été d'abord de conforter en fait ma relation personnelle avec le Coran. Tout simplement parce que c'est inutile de faire des vidéos, c'est inutile d'écrire des articles, c'est inutile en fait de faire la da'wah, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit en fait le biais, si tout d'abord on ne le fait pas pour nous. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, monter une vidéo, enregistrer une vidéo, ça prend du temps. Je vais d'abord me concentrer sur mon objectif personnel, qui est de respecter mon programme de révision quotidien. Et je vais m'adapter tout simplement dans un second temps, avec ce live de quelques minutes, Inch'Allah. Alors tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'il y a parfois des jours en fait, où on peut être dépassé par les événements et on peut être dépassé par les différentes choses qui nous viennent. La première des choses que l'on doit retenir, c'est que dans notre relation avec le Coran, il faut absolument, absolument, absolument privilégier le matin. Pourquoi est-ce qu'il faut privilégier le matin ? Et quand je dis le matin, cela va de avant l'heure du soubh et également après l'heure du soubh et ce jusqu'au shuruq. Pourquoi ? Tout simplement pour deux raisons. La première des raisons, c'est quoi ? C'est que le prophète alayhi salatu wa salam dit « Allahumma barik ummati fi bukuriha », c'est-à-dire qu'il fait une invocation en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, de donner la baraka
à la communauté du prophète alayhi salatu wasalam à travers la matinée. Ça, c'est la première des raisons pourquoi est-ce qu'il faut privilégier le matin. La deuxième des raisons, c'est également parce que le dernier tiers de la nuit est également un moment privilégié pour les musulmans en général, pour les itinérants du Coran en particulier, tout simplement parce que c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus proche de ses serviteurs. Et donc, c'est un moment également à privilégier sur le plan du Coran, mais aussi sur le plan des invocations, car durant ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala demande s'il y a de ses serviteurs qui ont des choses à demander pour qu'ils puissent les exercer. Alors, excusez-moi, on a été coupé un peu. Alors, il ne s'agit pas en fait d'une traduction littérale, hein, c'est bien sûr dans le sens du hadith qui nous est mentionné ça. Et également, donc pour ces deux premières raisons, il faut que l'on privilégie le matin, mais la troisième des raisons, surtout, c'est parce qu'en fait, le matin, les gens, les personnes qui sont autour de nous dorment, donc de ce fait, on peut s'occuper avec le Coran durant ce moment-là. La quatrième des raisons pour laquelle on doit s'occuper du Coran le matin, c'est tout simplement parce que lorsqu'arrive le soir, eh bien, tout simplement, on sera plus tenté à vouloir remettre ça au lendemain. Je vais juste vous donner un exemple pour que l'on puisse comprendre. Parfois, lorsqu'on veut accomplir une salat, on va accomplir cette salat pas dans sa première heure. C'est-à-dire que, par exemple, on va attendre de faire 30 à 45 minutes avant l'asr pour pouvoir accomplir le dhuhr. Le fait de retarder en fait cette prière-là va nous donner moins de motivation et ça va nous faire prendre le risque en fait de dépasser ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut la faire dès le premier moment. Il en est de la même manière pour notre relation avec le Coran. C'est pour ça qu'il faut privilégier le matin dans un premier temps. Simplement parce qu'en plus, si tu privilégies le matin, imaginons que tu fasses ça avant 7 heures, il faut 30 à 45 minutes pour pouvoir réviser au minimum 45 pages. Si vous utilisez également la MVAK, la méthode d'apprentissage en 15 minutes du Coran, pareil, il vous faut 15 minutes dans la journée. Au moins, votre tâche la plus importante après l'accomplissement des prières dans votre journée, eh bien, elle aura été accomplie. Vous pouvez sortir, faire ce que vous avez à faire dans la journée pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Donc ça vous permet, entre guillemets, de vous soulager l'esprit et d'être beaucoup plus tranquille pour pouvoir vaquer à vos occupations dans la journée. Parce que si vous ne faites pas le matin, vous allez commencer à réfléchir à quel moment il va falloir que je fasse nanana, nanana. Il va arriver 17h, 18h, vous allez être fatigué, vous allez vouloir essayer de prendre le temps de pouvoir ouvrir le mushaf et au final, eh ben, vous n'aurez pas forcément le temps, vous n'aurez pas forcément l'énergie. Et de ce fait, vous allez vouloir remettre ça au lendemain et rentrer dans ce qu'on appelle la procrastination. Le moment à privilégier, c'est le matin. Donc voilà, la gestion de ses priorités, c'est d'abord se fixer ses priorités personnelles. Ses priorités personnelles, dans le cadre d'une mise en perspective par rapport à un thème en fait que je voulais aborder d'ailleurs avec vous. C'était le thème que je voulais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vais la faire très certainement demain ou après-demain. Bref, restez connectés pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est par rapport à cette thématique-là. Mais tout simplement, la gestion de ses priorités, c'est d'abord s'occuper d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses, avec les obligations qui sont l'accomplissement de la salat. La deuxième des choses, le Qur'an, et le Qur'an en matinée de préférence, tout simplement. Pourquoi ? Pour que, une fois que vous avez terminé, une fois que vous commencez, pardon, votre journée, vous avez accompli les tâches les plus importantes. Et ensuite également, dans la mise en perspective pour moi, pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est tout simplement parce que j'avais des obligations familiales. Et donc, avoir des obligations familiales, c'est prioritaire à faire une vidéo parce que j'ai des responsabilités qu'il faut que je respecte. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. J'espère que vous avez également apprécié ce petit live. Si vous avez des questions, dites-moi. Si vous avez des questions, pardon, je commence à fatiguer, à bugger. Faut que je me repose un peu, Inch'Allah. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui suivent la formation, le petit atelier optimiste à santé optimiste en Ramadan, j'espère que ça vous a plu. Donc la troisième vidéo a été publiée hier, vous l'avez normalement reçue par mail. Et bien vous aurez la prochaine vidéo, c'est quand ? Jeudi, oui, après-demain, Inch'Allah. Donc qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs. Salam alaikum wa rahmatullah.